pourriez peut-être éventuellement risquer votre vie en vous égratignant le pied sur une écorce d'arbre. Tout ma perso essaye de comprendre le langage des noix de coco, c'est qu'elle est bonne pour la vie là. Ok, il va me plaire ce jeu. Oh merde. Ça saute. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Au oh d'accord. Ça donne. Oui, achevez-le, il souffre. Hein. Don't disappoint me. Or I'll make you wish you could die. Waouh. Juste waouh. C'est tout ce que j'ai envie de dire en voyant cet écran de sélection de serveur. Franchement, c'est waouh. Voilà. Salut les gens, c'est Nasband et Adret, comme chaque semaine. Salut Adret. Salut tout le monde. Alors cette semaine on teste Forsaken World, si je ne dis pas de conneries, mais oui, ouais. Ça doit bien être ça. C'est ça. Alors autant vous dire qu'après le test de Dofus, tester un jeu comme ça, c'est un peu comme changer sa Peugeot 404 contre une Ferrari F40. C'est un peu le même principe. Alors, on vous rappelle un peu le principe de nos tests hein, avant de démarrer. Le principe de nos tests se base sur nos premières impressions, c'est-à-dire qu'on teste le jeu comme étant des nouveaux joueurs, on ne le connaît pas par cœur. Et c'est sur la base de ces premières impressions qu'on vous donne un avis et qu'on vous conseille à la fin de jouer au jeu ou de ne pas y jouer. Mais comme d'habitude, on vous rappelle que notre avis ne fait pas foi de parole d'évangile. Si vous voulez tester un jeu vous-même, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous gênez pas, hein, les jeux sont gratuits, donc allez-y. Et sinon, je vous rappelle aussi que les insultes sur YouTube, Dailymotion ou, allez savoir, Facebook, hein, ça passe à la trappe. Voilà, on s'emmerde plus à discuter maintenant. Alors, mon mot de passe, ça doit être ça. Commencer. Compte au mot de passe incorrect, c'est génial. J'ai oublié mon... Ça commence bien. Ah non, mais je suis con, ça peut pas être ça. Ah, bordel. En même temps, vu le nombre de comptes qu'on a entre les divers... Ouais, ça aide pas. Alors, attends, est-ce que c'était un des rares... Un des rares jeux qui ne demandait pas un chiffre dans le mot de passe? Oui, effectivement. Oui. Voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Ils n'ont pas demandé de chiffre. Et puis du coup, moi, j'ai foutu les 15 000 chiffres que je fous habituellement dans mon mot de passe. Alors, créer. Bon, bah, on va commencer par la création de personnages, comme d'habitude. Alors, on a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5 races différentes. On a les humains, hein, c'est les plus basiques. Pas de problème de ce côté-là. Les elfes, c'est assez basique aussi, on va dire. Les nains... Les naines sont vachement sympathiques, en parenthèse. Hein, Oui, ça change des trucs habituels qu'on peut voir où les nains sont pas du tout... Oui. Comment dire, ils sont pas, spécialement gâtés niveau physique. En même temps, on parle quand même... le jeu est édité par Perfect World, il me semble. Hein. Oui. Le jeu est édité par Perfect World. Perfect World qui a également créé... Perfect World. Non, voilà. Oui. Parce que beaucoup pensent que c'est qu'il s'agit que d'un jeu, mais en fait c'est également la boîte qui a édité le jeu. Voilà. Qui porte le même nom. Et donc dans ce jeu Perfect World justement, on a la race des naines qui sont les trucs les plus cute et les plus kawaii que j'ai pu voir dans un MMO. Donc en même temps. En tout cas, en concernant les nains. Voilà. Bon par contre les nains, je constate que c'est toujours la même chose, des petits gros barbus. Voilà. Du coup, ça fait de moi un nain. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ensuite, on a les pétrants. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, attendez, les pétrants engendrés du roc sont seuls qualifiés pour devenir des gardiens. Ils vénèrent Titan et Solarius et considèrent comme de leur devoir de protéger la terre dont ils sont issus. Ouais, c'est un genre. C'est une race originale, quoi. Ouais, c'est un genre de semi-géant, j'ai l'impression. Voilà. Une race originale, ce qu'on voit assez rarement, donc quand même, on peut le noter, quoi. Et. Garde les stéréotypes, bonjour, humain, elfe, nain, machin, point barre. Voilà. Donc là, on a trois races stéréotypes et déjà une race originale, c'est déjà pas mal, mais on n'en a pas qu'une, on en a carrément deux de races originales. Avec les Kindred. Alors les Kindred, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est des vampires, en fait, avec un autre nom. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas sûr que ça a été... Bon, c'est pas non plus un reproche, mais ça a été super bien traduit parce que... de ce que j'ai pu comprendre via un jeu dont je dois encore vous faire la vidéo d'ailleurs, faudrait que je pense à m'y remettre. Oui. Dans l'univers du monde des ténèbres, et plus précisément celui de Vampire, donc la mascarade et tout ça, les vampires entre eux se définissent par le terme Kindred. Ah ouais.
Donc c'est, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver de sur le quelle que soit la transcription, la traduction et compagnie sur le net, j'ai pas réussi à trouver de traduction qui permette véritablement de comprendre le sens. Je sais pas, kind en anglais, ça veut dire un truc du genre un peu. Non, en fait, ça dépend du sens. Là, pour le coup, je pense que, enfin, ça peut aussi vouloir dire genre, si tu veux. Donc, ça peut vouloir dire plein de trucs différents. En fait, donc voilà, nous allons créer les genres rouges ou les un peu rouges, mais comme c'est pourri en français, on va dire les Kindred. Hein. comme je. Voilà. Donc, combien de visages on a? On a une, deux, trois, quatre, cinq types de visages. Mais bon, cinq types de visages très bien faits. Donc, c'est pas énorme, mais ils les ont soignés. Voilà. Et en plus, on vous donne un nom à ces types de visages. Là, vous avez le type charmant, le type pompeux, le type intelligent. Oui, bon, le type intelligent a l'air un peu con, quand même. Ouais. Un peu incombe. J'ai remarqué ça aussi. Le type élégant et le type séducteur. Alors moi, bah, comme je suis un gros enfoiré, je vais prendre le type charmant. Parce que c'est marrant. Ensuite, dans les uniques, c'est les genre tatouages ou petites décorations sur le visage. Alors moi, je vais prendre celle-là parce qu'elle est vraiment très sympathique. L'espèce de... Moi, je suis pas fan de... Enfin, je suis fan d'aucune, en fait. L'espèce de... Fan. J'aime bien l'espèce de petite décoration frontale, moi, en forme de cœur. C'est joli, je trouve. Et ensuite, on a les couleurs... Ça modifie un petit peu le visage aussi, d'ailleurs. Oui. Ensuite, on a les couleurs de peau. Et ça, je suis désolé, c'est un point que je me dois de citer parce que c'est super rare de pouvoir changer la couleur de peau dans ces personnages. Ouais. Et on a une couleur de peau qui fait penser, et oui, je sais, je me rappelle, j'ai déjà dit dans d'autres MMO, hein, où on pouvait changer la couleur de peau. On a une couleur de peau qui fait penser à de la couleur de peau noire sans pour autant l'être vraiment. Oui, mais d'un autre côté, en même temps, comme ces personnages-là sont censés être plus ou moins morts, on va dire. Oui. Bon, ça va pas être. Voilà. Il y a une certaine pâleur qui est quand même logique. Bon, voilà, on aura une morte bronzée donc. Bon, ceci dit, il y a aussi des couleurs bizarres, si je me souviens bien, dans la sélection. Oui, il y a aussi du vert et du bleu, je crois. Oui, du vert pâle et du bleu ciel. C'est clair que c'est très effrayant pour des vampires. Hein. Un vampire bleu ciel qui m'attaque, moi je sais pas, mais ça a beau être un vampire, j'éclate de rire. Hein. Sérieusement. Voilà. Donc, dans les coiffures, on a charmeuse nocturne, dédale mystère, fantaisie, sirène, rêve bleu, nostalgie, illusion sombre, vent frais et miroir glacé. Ok, donc. Voilà, ils ont filé des noms aux coiffures, ce qui est assez original, je crois. Oui, là, ils ont un peu fumé quand même pour les noms. Parce que moi, bon, rêve bleu, ça me fait un peu penser à Aladdin, donc je vois mal ma mage Kindred se mettre à chanter ce rêve bleu. Mon Dieu. Bref, on va prendre... Bah, c'est toi qui me fais peur. on va prendre la coiffure, allez, une pas trop moche, illusion sombre, c'est joli, je trouve. Puis ensuite, on peut modifier la couleur de la coiffure, en fait. Donc, je vais avoir une bonne question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme couleur de coiffure? Un truc qui pète pas trop. Ah, voilà, ça c'est joli. Et enfin, on va créer notre personnage en lui donnant un nom, comme je suis sûr que Aïda est déjà pris. Effectivement, les étoiles brillant dans le firmament d'Aïda sont en mouvement constant, entrez votre date de naissance afin de définir votre signe astrologique. Aïda n'est pas pris? Non. Oui, ça, alors le signe astrologique, c'est un truc que j'ai trouvé très original déjà. Oui. Parce que, alors pour faire simple, en fait. C'est bon, déjà c'est le petit bouton en jeu qui vous permettra d'obtenir des récompenses, on va dire. Voilà, les récompenses de connexion continue, en fait, comme beaucoup de jeux, en fait, si vous restez connecté un certain temps, vous avez un truc, bon bah voilà. Mais aussi ça va vous permettre de gagner d'avoir des bonus en jeu, en fait, en fonction du temps que vous restez connecté. En fonction du bordel de clavier qui... Oui, bon, ça, faudra que j'en parle après. En fonction du temps que vous restez connecté en continu, en fait, vous allez voir que le signe, en gros, protecteur actuel change. Ouais. Et quand ça tombe sur le vôtre, en fait, ou qui est en relation avec le vôtre, d'après ce que j'ai l'impression de comprendre, en fait, je suppose que vous gagnez un bonus. Alors, je suppose, parce que je suis pas encore tombé sur mon signe. Alors, bon, moi j'ai pris la date de naissance le 31 du 7, comme vous en doutez, ben c'est un peu ma date de naissance, j'ai pas envie d'en mettre une autre.
Voilà, donc Lion, constellation du feu, le soleil est son astre gouvernant. Vous êtes un être sociable et indépendant. Vous êtes un dirigeant né, votre charisme ainsi que votre détermination sont les garants de votre succès. Constellation du même élément, Bélier, Sagittaire. C'est fou parce que les compétences qu'a ma perso via son signe astrologique, moi je les ai pas du tout. Mais tiens, jette un œil en mettant le 9 mars et tu vas voir que pour moi non plus, je trouve pas ça très... Alors attends, le 9 du 3... non, pardon, le 3 du 9, c'est vrai, les mois sont oui, en premier. Inversé. Alors, Poisson, hein, constellation de l'eau. Neptune et Jupiter sont des astres gouvernants, vous êtes le genre de personne capable de se sacrifier pour les autres. Constellation du même élément, Scorpion, Cancer. Oui, effectivement, ça ne correspond voilà, pas du tout. Je dois avouer que, en fonction des cas, c'est pas forcément faux de mon côté. Oui. C'est déjà arrivé de me de faire passer les autres avant moi un peu trop souvent. Alors, ben, Aïda Lina, alors, vu que Aïda est de toute façon déjà pris, puis j'ai même pas envie d'essayer Xanel, parce que mon avis, c'est aussi pris, hein, de toute façon. Hop, commencez. Alors les graphismes de ce jeu ne sont pas exceptionnels, mais ils sont pas moches pour autant. Ouais. C'est une des choses à dire. Enfin, je veux dire, après Dofus, n'importe quoi est joli. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme le test qu'avait fait le joueur du grenier sur quel jeu déjà Rise of the Robo, un truc du genre sur Mega Drive avec des espèces de robots en 3D, un jeu de combat Zarb. Ouais. Où il disait, mais après ce jeu, mais n'importe quoi te semble beaucoup mieux. Bah voilà, pour Dofus, c'est... C'est un peu la même. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. C'est cruel, mais réaliste. Nous espérons que vous vous amuserez et nous vous recommandons de visiter régulièrement notre site officiel où vous pourrez prendre part à une communauté de joueurs actifs qui répondra à vos questions ainsi que fournir de précieux commentaires à nos gestionnaires de communauté. Est-ce que tu es déjà connecté en jeu, là ? Oui, oui, j'y suis. Donc en fait, on n'est pas dans le même rythme, là. Je sais pas, t'es dans la zone de démarrage ? Oui, mais je suis dans le 10e truc, donc alors attends, tu te souviens dans quel... quand tu as créé les trucs sur le côté dans lequel tu t'es connecté ? Pas du tout. Eh ben, il faut vérifier. Ah, heureusement que je t'ai dit de faire gaffe. Ah oui, super, donc je vois ça où je suis ? Bah tu changes de personnage en fait. Ah d'accord. Tu fasses changer de personnage... Bah attends, il faut déjà que je trouve comment quitter le jeu, idéalement. Le petit engrenage en haut à droite. Merci. Donc, allons-y. Les écrans de chargement sont aussi très jolis, on peut le dire. Hein. Mm. Alors, bof, oui, bon. Bref, alors, t'es dans le combien, toi ? 10. Ok, j'arrive. Pouf. Bon, alors, de base, le clavier est automatiquement configuré en QWERTY, ce que je trouve un petit peu dommage, mais on peut le reconfigurer, donc du coup ça facilite un peu les choses. Ce qui ne me dérange pas personnellement. Alors quelle est la classe que tu as prise ? Vampire. Oui, moi j'ai pris mage, comme d'habitude. En même temps, s'il y avait eu genre un healer, j'aurais pris, mais il n'y avait pas. Voilà. Alors grâce à votre prière, les dieux ont décidé de vous bénir. Alors j'ai droit à une robe d'archimage, un pantalon d'étoffe et des bottes d'archimage. C'est ce dont on parlait avant, hein, grâce à ce petit signe ouais, voilà. Ici. Système de récompense, entre guillemets. Voilà. Grâce à ce petit signe ici, une fois que le temps est écoulé, vous recevez diverses récompenses. Et les premières récompenses que vous recevez, je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est des équipements. Ensuite, dans votre sac à dos, je vous conseille d'aller voir tout de suite, car vous avez une petite boîte à ouvrir. Avec des items pas forcément intéressants dès le départ, mais qui peuvent être utiles plus tard. Comme par exemple... Je vais être taxé de pervers, mais je voudrais juste qu'on prenne un instant pour regarder un peu plus près les persos. Oui. Il y a du monde. Au balcon, effectivement. Il y a du monde au balcon, oui. Mais tu sais... Ça se bouscule un peu. Tu sais, dans les MMO, c'est toujours le même principe. Hein. Moins ça couvre, plus ça protège. Voilà. Alors, tiens, seconde récompense, une pierre de sang. Alors ça, c'est un truc qui permet de lancer une espèce d'attaque ultime que je montrerai plus tard. Mm-hmm. Elle poutre, ça devrait tout ce qu'on peut dire. Elle poutre sa maman. Alors, par rapport à ce que je disais avant, là, moins ça couvre, plus ça protège, ça signifie que si vous avez un bout de tissu qui vous cache les seins et le sexe, c'est bon, vous serez protégé, mais d'une force. Par contre, si vous possédez une armure intégrale, vous êtes sûr de vous faire rétamer en combat. mais ça, c'est classique, hein. Franchement, c'est prévu pour les pervers, en fait. Bon, je suppose qu'on... C'est l'impression qu'on en a. Je suppose qu'on sort par là. Alors, ma perso a une manière bien particulière de courir, hein. Elle...